Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce, et oui, en ce 16 mai. Et donc, tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Marc qui m'a remplacé hier comme, disons, surviré, comme on dit en bon québécois, sur un dissent. Donc, j'aimerais remercier encore une fois Jean-Marc Drolet. Merci à Jean-Marc et à Max Bradette qui ont livré une émission qui était fort intéressante encore une fois hier soir. Et ce soir, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles pour vous, mesdames et messieurs. C'est beaucoup de lectures que j'ai faites en fin de semaine qui ont résumé pas mal l'actualité politique, notamment des textes de Mathieu Bock-Côté, autres textes de Normand Lester qui parle de Pierre Trudeau, qui, dans sa jeunesse, était un séparatiste d'extrême droite. Un autre texte aussi de Mario Dumont qui parle du Parti québécois qui est probablement rendu une deuxième force politique au Québec. On va parler aussi des robes extravagantes, des T-shirts ou plutôt gaminets de Mary Simon, la gouverneure générale du Canada, et de Julie Payette, deux ex-gouverneurs générales. Bien sûr, aussi un texte que j'ai fort apprécié de notre ami Frédéric Bastien qui a publié samedi un texte qui s'intitule « Le Canada pratique l'éradication culturelle, pas le Québec ». Donc, c'est un résumé de plusieurs textes que je vais vous lire tantôt ou faire des grands résumés. Mais tout d'abord, j'ai une nouvelle qui vient de tomber à l'instant. Ça reste à confirmer, mais c'est une des plus grandes, une des plus tristes nouvelles dans le milieu souverainiste au Québec. Ça avait été confirmé, je ne voulais pas en parler, mais j'ai trois sources là, qui me donnent la même nouvelle, ce qui fait que j'hésitais beaucoup avant d'en parler. Et on apprend le décès de Frédéric Bastien. Mort subite. Et je voulais lire un texte de Frédéric Bastien cet après-midi. Et il serait décédé d'un arrêt cardiaque. On me dit aujourd'hui. Donc, ça m'est confirmé de trois sources différentes. La première source, on m'a demandé de ne pas en parler, mais j'ai dit très bien, je vais taire la nouvelle, mais ça fait trois coups de téléphone que je reçois, là. Donc, 54 ans, 53 ans, 54 ans, on apprend le décès de Frédéric Bastien. C'est un choc pour le mouvement souverainiste au Québec, ex-candidat du Parti québécois. Et je suis allé écouter une de ses conférences à Saint-Denis-sur-Richelieu. Je l'ai invité à la fête des Patriotes. Mois de novembre dernier, et n'a pas pu parler très longtemps. Pas important, là, pour des raisons de faits divers, ça n'a aucune importance. Et il est revenu parler à Saint-Denis, et j'ai écouté sa conférence, et j'ai trouvé que c'était le conférencier depuis les 20-25 dernières années qui avait le plus de contenu. J'ai appris ça tantôt, puis c'était un addon, là.
cet après-midi, je pensais justement à lui, concernant un texte qu'il a écrit samedi dernier dans le Journal de Montréal et les discours qu'il a fait depuis quelque temps, et c'est un ami de Radio Infocité, il a participé plus d'une dizaine, quinzaine de fois ici à Radio Infocité comme conférencier, participant, il a participé à plusieurs émissions. Et c'est le conférencier, ou en tout cas l'intellectuel qui avait le plus de contenu et qui n'avait pas peur d'attaquer les ennemis du Québec. Donc, c'est un choc. Même moi, là, vous voyez actuellement, là, je cherche carrément mes mots. On m'a annoncé ça vers 19h ce soir et ce serait aujourd'hui. On m'a dit qu'il est décédé, je pense, aujourd'hui. Donc, on va avoir plus de nouvelles dans les heures qui suivent, ou demain, mais enfin, vous en êtes probablement les premiers avertis, là, les premiers informés. Puis pour lui rendre hommage, ben, pourquoi ne pas lire le dernier texte, en tout cas le texte qui a paru samedi dernier dans le Journal de Montréal, « Le Canada pratique l'éradication culturelle, pas le Québec. » Et ça va comme suit, après avoir comparé le Québec à la ségrégation raciale américaine qui a amené à 4075 lynchages entre 1877. Et vous allez voir le contenu du gars, là. Frédéric Bastien, c'est pas quelqu'un qui lance des chiffres là, dans les airs un peu à peu près comme ça, là. 4075 lynchages entre 1887 et 1950. Après avoir prôné la partition du Québec lors du référendum de 1995, le journal The Suburban nous accuse maintenant de pratiquer l'éradication culturelle. Sous la plume de Beryl Wajman, cette publication du West Island affirme que le gouvernement québécois cherche l'éradication culturelle des non-francophones de souche au Québec. Trois faits illustreraient cette situation. D'abord, l'existence de la loi 96, qui tente timidement de protéger le français. Deuxièmement, la loi fédérale sur les langues officielles, qui ferait référence à cette législation québécoise, notamment grâce à la bataille épique du bloquiste Mario Beaulieu. Troisièmement, le ministre Jean-François Roberge, qui a osé suggérer que les centaines de millions versés par Ottawa au Canada, Canadien anglais du Québec devraient servir à protéger notre langue. De telles accusations n'ont rien de nouveau. En 2019, la maire d'Hampstead, William Steinberg, nous a accusés de nettoyage ethnique avec la loi 21. Cette pratique, pourtant, est le fait des Anglais. Ils ont déporté les Acadiens lors de la conquête, causant 5 000 morts. Kelly McParland constitue un autre exemple de reproches outrecuidants qui nous sont faits. L'an dernier, ce journaliste du New York National Post a dit que les Québécois voulaient purifier la province de l'anglais et qu'ils discrimineraient les anglophones depuis 40 ans. Le chroniqueur est allé jusqu'à citer l'Ontario comme un modèle que le Québec devrait suivre. Rappelons ici qu'en 1912 et 1913, la province voisine a fermé toutes les écoles françaises. Son but était d'éradiquer la culture canadienne-française. L'Ontario n'a fait que suivre la recette de Lord Durham. Pour notre propre bien, il fallait renier notre langue et adopter la culture supérieure du conquérant, lequel projetait de nous noyer dans une masse d'immigrants britanniques.
C'est ce que les Canadiens anglais ont fait dans l'Ouest. En 1870, les Métis francophones constituaient la majorité de la population manitobaine. Pour les inciter à se joindre à la Confédération, les fédéraux leur ont promis la création d'une province bilingue. On connaît la suite. Louis Riel a été pendu. Les immigrants britanniques ont noyé démographiquement les franco-manitobains. La province a violé la Constitution en éliminant le bilinguisme officiel et elle a fermé ses écoles françaises. C'est ce qui nous arrivera bientôt au Québec. Au moyen de l'immigration, on va noyer les Franco-Québécois dans un pays de 100 millions d'habitants. L'immense majorité de ces nouveaux venus vont s'assimiler à la nation canadienne-anglaise et leur supériorité numérique mènera à notre assimilation. La loi 96 respecte la Constitution. C'est Ottawa qui viole les droits des francophones. Au Nouveau-Brunswick, en l'occurrence, le gouvernement Trudeau y a été condamné pour avoir nommé un lieutenant-gouverneur unilingue. Les fédéraux ont répété cette violation de nos droits avec la nomination de Mary Simon, la vice-reine qui ne parle pas français. C'est ça le Canada. La majorité éradique la culture de la minorité, bafouant ses droits, et elle a le culot de dire que ce sont les Québécois qui oppriment les anglophones. Donc, texte de Frédéric Bastien, qui est paru dans le Journal de Montréal samedi dernier, il y a quelques jours, il y a 3 jours. Et je pense que ça résume bien la pensée de Frédéric qui ne faut pas oublier qu'il est professeur d'histoire, historien, et qui a écrit La bataille de Londres, un travail de moine. Il est allé à Londres, fouiller dans toutes les archives. Et j'ai assisté à une conférence de Frédéric Bastien il y a un mois et demi à Saint-Denis, sur Richelieu. Et il a essayé de fouiller dans les archives canadiennes à Ottawa. Impossible. Par contre, il est allé en Angleterre et là, il n'y a eu aucun problème. C'est ce qu'il nous expliquait. Et quand il nous parle de 1870, dans l'Ouest canadien, au niveau des Métis francophones, quand les Métis francophones constituaient la majorité de la population manitobaine, eh bien, il savait de quoi il parlait. La loi 10 en Ontario. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui était... C'était quelqu'un qui était... Frédéric Bastien était un gars de contenu. J'ai écouté à plusieurs reprises ses conférences, ses discours, ses interventions qui à chaque fois étaient une bibliothèque de références pour les souverainistes. Une bibliothèque d'arguments. C'était quelqu'un qui nous donnait des arguments à profusion. Et on apprend son décès aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va nous manquer. Justement, Mme André Couture nous dit qu'il va nous manquer. Je vais quand même afficher quelques commentaires que j'ai de quelques personnes, surtout les plus réguliers, qui écrivent. Mais il faut savoir une chose, c'est que
C'est une lourde perte pour le mouvement souverainiste. Lourde perte au niveau de la rigueur intellectuelle. Rigueur d'argument. Et je peux vous dire qu'après avoir assisté à sa conférence à Saint-Denis-sur-Richelieu, et j'ai pu entendre quelqu'un qui était bourré d'arguments et personne ne pouvait, disons, personne ne pouvait mettre en doute tout ce qu'il avançait. Tout ce qu'il avançait était vérifié. Et je pense que c'est, comme on le lit, c'est un choc. André Couture, Madame Couture nous dit que c'est un choc. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Je peux vous dire une chose, il parlait de Mary Simon et les gouverneurs généraux canadiens. Et aujourd'hui, je pense que je sais que Jean-Marc est à est en train d'essayer de trouver. Je sais que Martin Lamontagne est à l'écoute, je crois, et qu'il a plusieurs conférences. Il y a plusieurs conférences d'enregistrer et probablement. Qu'on pourrait peut-être faire entendre ce soir. Il y a Martin qui me dit que j'aurais peut-être pu attendre l'annonce officielle, mais là, ça fait 3-4 téléphones que je reçois. Là. C'est Martin, le gauchiste identitaire. C'est assez rare, ça, les gauchistes identitaires. Mais quand même, ils s'assument, c'est bien. Moi, je savais, Martin, que c'était toi. Tu n'as pas besoin de t'identifier, il n'y a pas de problème. Mais je sais que tu as des conférences de Frédéric. Donc, on peut peut-être faire entendre une de celles-ci. Là, Jean-Marc est en train de trouver ça. Vous allez voir que c'est un gars qui est rempli d'arguments et rempli de faits saillants qui font en sorte que c'est assez difficile de le contredire. Bon, mais j'ai quand même... ouais, mais Martin, tu as peut-être raison de dire qu'on aurait peut-être pu attendre, mais là, quand ça fait 3-4 téléphones que tu reçois qui disent la même chose, là, c'est difficile de dire le contraire. Là. À moins que ce soit un ballon, là, mais enfin. Bon, j'ai quand même dit qu'il serait décédé, là, mais bon. On va revenir à Jean-Marc quand il aura trouvé une conférence ou un bout de vidéo de Frédéric Bastien, mais on le passera. On va revenir tout de suite après pour entendre Frédéric. Il y a André Couture qui va dire, ben c'est peut-être le temps là, d'aller acheter son livre. Hein. Je vais acheter son livre s'il est disponible, La bataille de Londres. Oui, ça va être disponible, André, il n'y a pas de problème. Eh bien, La bataille de Londres. Un document, mesdames et messieurs, fouillé comme un travail de moine. Et il s'est rendu à Londres et ça a été best-seller, son livre à Frédéric. On va revenir à Frédéric Bastien dans quelques minutes pour entendre un bout de vidéo ou quoi que ce soit. Là, Jean-Marc va aller t'a trouvé ça avec Martin Lamontagne, je pense. Passant d'un intellectuel à un autre intellectuel, je pense que c'est les deux plus forts qu'on a au Québec actuellement là, qui sont dans les médias. Il y en a d'autres, bien sûr, je sais, mais qui défendent les Québécois, c'est Mathieu Bock-Côté.
parlant de François Legault, qui a eu, on le sait, 98,6% du vote de confiance à son congrès de la CAQ. Vous attendiez-vous à moins que ça, mesdames et messieurs? Pas vraiment. Moi, si j'avais eu à miser, j'aurais misé 97%. Je ne me serais pas trompé beaucoup, 96-97. Donc, Mathieu Bocoté qui va comme ça, François Legault, dans le cadre de son congrès, a désigné son nouvel adversaire principal. Vous pouvez vous douter qui? Le Parti québécois. On le comprend, le PQ remonte dans les sondages, attire d'abord et avant tout l'électorat nationaliste, sur lequel la CAQ avait mis la main depuis 2018 et qui représente le socle de sa majorité. Mais de quelle manière attaquer le PQ sur le terrain du nationalisme dans un contexte marqué par le déclin du français? François Legault pense le savoir. Il explique que les péquistes, pour renverser le déclin du français, attendent le grand soir de l'indépendance alors qu'il faudrait agir dans l'urgence. Et seule la CAQ sera en position de le faire parce qu'elle est au pouvoir. Certes, ajoutons que les mesures du premier ministre sont des mesurettes inefficaces qui relèvent davantage de la communication que de la politique. Mais peut-on à la fois agir dans l'urgence, comme il le propose, tout en reconnaissant que le Québec pourrait agir bien plus résolument et efficacement s'il disposait de tous les pouvoirs? Mais François Legault ne veut pas parler d'indépendance. Comme un libéral des années Charest, il répète en sautant comme un cabri, référendum, ça finit plus. Comme s'il s'agissait des mots magiques pour faire peur à des petits électeurs, les électeurs, disons, enfants. Surtout au-delà de l'argument selon lequel il faut agir immédiatement, il ne répond pas à l'autre question fondamentale à long terme. Est-ce que l'avantage des Québécois de demeurer dans le Canada, où ils sont condamnés à être toujours plus minoritaires, et qui condamnera les francophones à terme à devenir minoritaires au Québec même. François Legault est un nationaliste efficace quand vient le temps de s'opposer en parole aux fédéralistes radicaux et à la gauche multiculturaliste, mais quand vient le temps de passer de la parole aux actes, il se rétrécit jusqu'à devenir un raisin politique. Texte de Mathieu Bocoté, et je pense qu'il résume bien. Et je peux vous dire une chose, j'ai écouté une question de Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'adressait au premier ministre hier, ou je pense que c'est hier, à l'Assemblée nationale, à la période de questions, et qui demandait en gros, Monsieur le premier ministre, est-ce que vous trouvez que le fédéral gère mal les finances avec un déficit de 1200 milliards de dollars. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que François Legault a défendu le déficit fédéral. C'est incroyable. Quand j'ai entendu ça, il défendait un investissement de 80, je pense, millions de dollars dans un... pas trop. Mais ce n'était pas la question. La question était, est-ce que vous pensez que le fédéral gère bien l'économie ou gère bien, en fait? Est-ce que vous ne trouvez pas que le déficit canadien est trop élevé? Et il se trouvait que François Legault a défendu ça. Madame Gosselin, je pense que vous avez exactement le bon réflexe. François Legault est un lâche. Et moi, je peux vous dire une chose. J'étais extrêmement heureux quand la CAQ a voté la loi sur la laïcité. Bravo, c'est un leg que la CAQ va pouvoir, disons, mettre à leur...
mettre à leur compte. Là, j'ai pas de problème là-dessus. Mais à part ça, là, j'essaie de voir. Là, j'essaie de voir là, qu'est-ce que la CAQ va laisser comme legs. Et j'essaie de voir aussi les ministres de ce gouvernement qui sont c'est trop facile de dire nous, on est nationalistes, puis bon. Tout le monde peut se dire nationaliste. Peut-être pas Québec solidaire, mais la CAQ, le Parti québécois se dit nationaliste. J'ai eu aucun problème là-dessus. Moi, je suis un nationaliste, mais nationaliste souverainiste. Je suis souverainiste, nationaliste. Nationaliste, c'est quelqu'un qui aime sa nation. Allez voir les dictionnaires, là, puis en grande majorité, c'est ce qu'on va vous donner comme définition. Mais encore une fois, au-delà de son... oui, vous avez tout à fait raison, M. Côté, le crucifix à l'Assemblée nationale. Mais de se dire nationaliste, c'est trop facile. Pas trop facile. C'est comme si tu dis... sans faire de comparaison boiteuse. J'aime la tarte au sucre. Tout le monde aime la tarte au sucre. Tout le monde aime la nation québécoise, j'espère, hein, dans tous les partis politiques. Donc, ceux qui aiment la nation québécoise sont des nationalistes. Il y a Martin Lamontagne qui nous dit « Comme moi, je suis un nationaliste de gauche et non, je ne fit pas avec dans QS. » Donc, c'est trop facile pour la CAQ. Là. Nous défendons les nationalistes québécois. Ben oui, mais c'est parce que j'en suis un puis je suis un souverainiste, M. Legault. Mais encore une fois, c'est trop facile. Un autre. Je parlais tantôt, on va revenir sur Frédéric Bastien un petit peu plus tard. Tantôt, j'attends peut-être d'avoir une vidéo de Jean-Marc s'il est capable d'en trouver un, soit sur Radio Infocité ou ailleurs. Parlant de nationalisme, mais des nantis-nationalistes, Pierre Elliott Trudeau. Texte de Normand Lester signé le 14, je pense que c'est le 14 mai dernier, quand Pierre-Éliott Trudeau était un séparatiste d'extrême droite. Ça part comme ça. Élu député libéral de Mont-Royal en 1965. Il avait été jusque-là un intellectuel de gauche très, très, très critique du parti et de son chef Lester B. Pearson. Après une montée fulgurante, il va lui succéder en 1968 comme premier ministre libéral. Mais plus tôt dans sa vie, le jeune homme, Pierre-Éliott Trudeau, était un séparatiste d'extrême droite, opposé aux idées qui deviendront son leitmotiv en tant que le grand leader canadien. Ces informations sur Pierre-Éliott Trudeau sont tirées des biographes de ses amis Max et Monique Nimny et de John English, son biographe officiel. Et John English avait pleinement accès à ses écrits personnels, jamais rendus publics, tout autant que Nimny, qui ont été surpris par ce qu'ils ont découvert.
Et le jeune Trudeau acceptait la stricte moralité de l'Église ainsi que sa politique. Et l'Église croyait alors que le modèle à suivre était celui des États corporatistes tels l'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar. Et comme les premiers ministres Bennett et Mackenzie King, le jeune Trudeau avait des opinions antisémites. Il écrit une pièce satirique dans laquelle un Canadien français naïf est manipulé par un Russe, un rusé homme d'affaires juif. Il admirait des auteurs de droite tels Charles Maurras en France et Léon Desgrelles en Belgique, dont les mouvements nationalistes et catholiques Rex se transforma en parti fasciste qui collabora avec l'occupant allemand. Jean Trudeau était favorable au mouvement du maréchal Pétain et de Vichy. Pour lui, c'était l'Angleterre qui était responsable de la Seconde Guerre mondiale. Provoquant comme à son habitude, il était fier de conduire sa Harley-Davidson en portant un casque militaire prussien. Ce n'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. Né dans la richesse, on le sait, il fit ses études à Brébeuf, où le jésuite Rodolphe Dubé, nom de plume François Hertel, fut son mentor. Et à l'instigation d'Hertel en 1942, à l'âge de 23 ans, Pierre-Éliott Trudeau devint membre d'un groupe révolutionnaire clandestin appelé Helix, ou Frères chasseurs, dont le but était de réaliser un coup d'État menant à un Québec indépendant, corporatiste et catholique. Le groupe était prêt à prendre des armes pour créer, planifiant ainsi, entre autres, actes de terrorisme, de faire sauter des usines de munitions. Et le grand retournement en 1944, Trudeau a obtenu une exemption d'enrôlement pour s'inscrire à l'Université Harvard. C'est alors que ses opinions ont commencé à changer. Discutant de séparatisme avec le poète Gaston Miron à Paris en 1960, Trudeau lui a dit de faire attention qu'il pourrait perdre tous ses droits en tant que citoyen du Québec indépendant. 10 ans plus tard, Miron était au nombre de quelques 500 personnes jamais accusées d'aucun crime, sauf des sympathies indépendantistes, à être emprisonné par Trudeau dans la foulée de la loi sur les mesures de guerre. Donc, allez lire le texte de Normand Lester sur Pierre-Éliott Trudeau, intitulé Quand P.E. Trudeau était un séparatiste d'extrême droite. Donc, il y a Anne Gosselin qui nous dit Daniel Johnson, Frédéric Bastien, tous les deux sont décédés des crises cardiaques au moment où leurs idées ont ouvert les yeux des Québécois. C'est bizarre, hein? Mais bon. On a une entrevue ici de Frédéric Bastien. On va faire entendre ça. J'en ai deux, en fait. On y va. Ah, bonsoir. Bienvenue à Radio Info Cité, donc dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois. Je me présente, Sylvain Gay, et j'accueille en ce moment M. Frédéric Bastien pour une courte entrevue. Bonjour, M. Bastien, bonsoir. Bonsoir, M. Gay. J'ai très, très heureux d'être avec vous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, vous savez que vous êtes assis sur une chaise plutôt célèbre. Et donc, il faut dire que c'est le fondateur du Parti québécois, M. René Lévesque, qui était assis à cette chaise, à plusieurs reprises, donc dans cette noble maison. Ben, je suis très honoré. D'abord, la chaise est très confortable. Et puis, évidemment, dans le cadre de cette course, je veux dire, c'est un bel addon, comme on dit, qu'on m'offre de m'asseoir dans la chaise de M. Lévesque. Alors, je vois ça comme un honneur. Je peux dire ça comme ça. Ça fait plaisir. Alors, comment se passe la course en ce moment? Et vous, est-ce que ça va bien pour vous? Oui, ben moi, je pense que ça va bien. Je suis parti de plus loin. Je suis celui qui avait le moins de notoriété.
Il y a un an, quand je songeais, je faisais part publiquement de mes intentions. Je pense que des gens qui étaient un peu crédules, c'est-à-dire qui se posaient des questions. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça va aller très loin, la candidature de Frédéric Bastien? Et là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai montré que je suis sérieux, que j'ai des appuis. Et les gens me découvrent. Les gens, je pense, apprennent à connaître mes idées et ils aiment ce qu'ils entendent. Je pense que c'est différent de ce qu'offrent les autres candidats. Et donc, moi, je pense que je gagne à être connu. Non, c'est bien. Et votre débat d'hier, c'était le deuxième débat à la course. Êtes-vous satisfait de votre débat d'hier? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Le premier débat, j'étais plus nerveux. C'était nouveau, évidemment. C'était une première pour moi de participer à ce genre de débat. Alors déjà hier, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et puis, beaucoup moins nerveux. Et j'ai beaucoup mieux, je dirais, aimé l'exercice. Ça faisait longtemps que je pensais à faire de la politique active. Et là, je le fais. Et pour moi, ça me confirme que j'aime ce métier. C'est que c'est quelque chose que je me sens à l'aise. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore, mais le métier rentre et j'aime ça. Non, mais c'est très bien. Mes chers amis, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci aux organisateurs. Merci à Yami. Alors, merci à Derek pour m'avoir présenté. Alors, Derek, de tous les hommages qui m'ont été rendus dans ma carrière de militant, dans ma carrière d'historien, ton hommage est certainement le plus récent qui m'a été fait. Alors, ce soir, on m'a demandé, Yami m'a demandé de venir parler d'indépendance. Derek, les organisateurs, les gens de Montréalisme m'ont demandé de parler des raisons pour l'indépendance. Et en même temps, Yami m'a dit, écoute, ça serait bien si tu parlais seulement 15 minutes. Alors là, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais réussir à parler d'indépendance en seulement 15 minutes? Alors, je me suis dit que, bon, c'est la canicule, et j'allais donc utiliser le principe de la mini-jupe. Alors là, je vois des yeux qui me regardent et qui sont intrigués. C'est quoi le principe de la mini-jupe? Alors, voyez-vous, avec le principe de la mini-jupe, je vais couvrir l'essentiel, mais je vais quand même en révéler suffisamment pour vous regarder concentré et en haleine durant tout le discours. En fait, ça va être un peu une espèce de striptease intellectuel. Et voyez-vous, je vais garder le meilleur pour la fin. Vous avez le droit d'applaudir. Alors, mes chers amis, j'étais à Toronto dans les derniers jours. Je vais vous parler de ça. À Toronto, avec ville que je traîne en justice, je vais aller rencontrer mon avocat. Et donc, je vais vous reparler de ça très rapidement. Mais en fait, je vais commencer par une question. Est-ce qu'il y en a qui sont tannés de se faire traiter de racistes ici dans la salle parce qu'ils veulent vivre en français au Québec? Oui. Alors, comme je vous disais, ouais, voilà. Alors, à Toronto, là, je pense qu'ils ne vous ont pas bien compris. J'aimerais ça qu'à Toronto, parce qu'ils n'ont pas compris ça, qu'on veut vivre en français au Québec sans se faire traiter de raciste, j'aimerais ça qu'ils entendent votre réponse jusqu'à Toronto. Je vais donc vous reposer la question. Êtes-vous tanné de vous faire traiter de raciste parce que vous voulez vivre en français au Québec? Oui! Ouais. Bon, voilà. Alors, ça, c'est le genre de réponse que j'aime entendre, une réponse qui vient du cœur, une réponse qui vient de vos tripes, une réponse qui affiche nos convictions qui sont à la bonne place. Et malheureusement, les accusations de racisme, comme vous le savez, ça pleut, ça continue, ça a toujours été présent. Et là, depuis un certain temps, on vit une nouvelle vague de Québec bashing. On se fait abreuver d'insultes de toutes sortes de colibets, les plus désagréables les uns des autres. Alors, je pense notamment, évidemment, à toute cette question de la loi 96 dont on a parlé tout à l'heure, une loi qui est insuffisante, mais une loi qui a, entre autres choses, imposer 3 cours d'anglais obligatoires de plus pour les jeunes anglo-québécois, les jeunes étudiants auxquels j'enseigne moi-même d'ailleurs dans les collèges anglophones, au collège d'Assun. Eh bien, voyez-vous, dans ce débat-là sur la loi 96, il y a des Canadiens anglais qui nous ont accusés d'être intolérants parce qu'on voulait imposer des cours de français à des jeunes anglophones qui ne parlent pas français. Alors, il n'y a aucun endroit dans le monde, ils nous ont accusés de manquer d'ouverture, il n'y a aucun endroit dans le monde entier où on accuserait des gens d'être intolérants parce qu'ils veulent apprendre le français. Même quand vous allez dans les pays anglo-saxons, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, jamais on pourrait imaginer de dire une telle chose, quelque chose d'aussi tordu que cet argument-là. Il y a seulement au Canada anglais où vous allez entendre de tels arguments. Alors donc, évidemment, on s'est fait accuser d'être intolérant, on s'est fait accuser d'être raciste parce qu'on défend le français au Québec, parce qu'on veut vivre en français au Québec.
Et bien sûr, parce qu'on veut, imposer la laïcité, parce qu'on a voté la loi 21, et ça aussi, on s'est fait blâmer avec ça. On s'est fait attaquer avec ça. On savait déjà ça. On se fait accuser d'être intolérant. Mais là, la nouveauté, voyez-vous, mes amis, dans tout ce débat-là avec la loi 21, la nouveauté maintenant, c'est pas seulement que les Québécois sont racistes, c'est que les Québécois sont responsables du racisme partout au Canada. C'est ça la nouveauté, c'est incroyable. Alors, quand il y a eu l'année passée cette... Oui, absolument, non, malheureusement. Mais je dis ça sans la moindre exagération, mes chers amis, sans, avec tristesse, mais sans exagération, je vous le dis. L'an dernier, il y a eu ce terrible attentat à London, en Ontario, où une malheureuse famille musulmane a été tuée, a été décimée dans cet attentat terroriste contre cette famille. Et voyez-vous, il y a des multiculturalistes canadiens qui ont accusé les Québécois, qui ont accusé la loi 21 d'être responsable de cet attentat terroriste. On a blâmé le Québec pour l'attentat terroriste en Ontario. Or, voyez-vous, mes amis, malheureusement, la folie meurtrière, ça existe dans tous les pays, mais quand la folie meurtrière pointe son nez au Canada anglais, c'est encore la faute du Québec. Et là, voyez-vous, il y a des politiciens qui ont décidé de surfer là-dessus. Et l'un de ces politiciens canadiens-anglais qui a décidé de surfer là-dessus, c'est nul autre que le maire de Brampton, en Ontario, Maître Patrick Brown. Alors, Patrick Brown, c'est l'ancien chef du Parti conservateur ontarien qui a été pris dans un scandale quand il était chef du Parti conservateur. Et là, Patrick Brown s'est fait expulser du Parti conservateur, comme il vient de se faire expulser de la course à la chefferie, je dis du Parti conservateur ontarien. Et là, il vient de se faire, comme vous le savez, expulser de la course à la chefferie du Parti conservateur fédéral. Mais après avoir quitté le Parti conservateur ontarien, dont il était le chef, il est devenu maire de Brampton, et là, il s'est fait prendre dans un autre scandale. Encore un scandale, un homme à scandale. Le premier scandale, c'est parce qu'il avait trompé sa femme. Et là, le deuxième scandale, parce que c'est un scandale sexuel, le deuxième scandale, eh bien, c'est qu'il est intervenu dans une enquête de police qui visait sa ville. Alors, il y a eu un scandale à Brampton. Et là, Patrick Brown s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il s'est dit, ben voilà, je vais attaquer la loi 21. Alors, il a dénoncé une loi raciste, une loi xénophobe. Et il a versé 100 000 $ à trois groupes qui s'opposent à la loi 21. Alors, des groupes qui s'opposent à la loi 21 devant les tribunaux ici au Québec. Et il faut que je vous parle des trois groupes que M. Brown a choisi de financer. Et je vais revenir là-dessus sur Toronto parce que suite à l'exemple de M. Brown, il y a une quinzaine de villes canadiennes anglaises, la plupart en Ontario, qui ont décidé elles aussi de financer les groupes qui s'opposent à la loi 21 ici au Québec devant nos tribunaux, devant les tribunaux du Québec. Alors, le premier groupe, c'est le Conseil national des musulmans du Canada. Alors, le Conseil national des musulmans du Canada, je dois partager un certain nombre d'informations sur ce groupe. Ça vaut la peine d'être dit, ça vaut la peine d'être répété pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire. Le Conseil national des musulmans du Canada militait jadis pour l'imposition de la charia en Ontario en droit familial, n'est-ce pas? La charia qui prévoit notamment la polygamie, hein? Vous avez le droit d'avoir quatre femmes, selon le Coran, selon ce que dit la charia. Alors, ce groupe-là militait, n'est-ce pas, pour la polygamie, à l'époque, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années en Ontario, c'est le Conseil national des musulmans du Canada. Il y a un ancien imam de cette organisation qui avait fait un discours, qui avait écrit un texte dans lequel il expliquait qu'un homme avait le droit de battre sa femme. Alors, je vois qu'il y a des visages un peu interloqués, choqués, et je vous comprends. Mais un homme avait le droit de battre sa femme, mais il avait quand même expliqué que ce n'était pas dans n'importe quelle circonstance. Alors, il y avait des conditions à remplir, il y en avait trois. Alors, je pense que ça vaut la peine d'expliquer ces conditions. C'est quoi les trois conditions? Alors, en passant, j'espère que vous n'allez pas croire ça. Il ne faut pas croire que cet imam a raison, mais je vous dis les trois conditions qu'il avait fixées. La première condition, c'était que la femme devait l'avoir méritée. Première condition. La deuxième condition, c'est que la femme, fallait pas la frapper trop fort. Et la troisième condition, c'était qu'il fallait pas la frapper au visage. Alors ça, c'est un des imams qui travaillait jadis pour le Conseil national des musulmans du Canada. Et un actuel imam qui travaille pour cette organisation en ce moment, qui était, il y a une dizaine d'années, président de la branche canadienne d'une organisation qui s'appelle le Muslim Youth Organization. Et cette organisation s'est vue retirer son statut d'organisme de charité parce qu'elle finançait des activités terroristes, notamment des activités des groupes comme Al-Qaïda. Et donc, le président qui était à l'époque en charge, a vu son organisation se faire retirer au Canada son statut de charité. Et aujourd'hui, cet homme travaille comme imam pour le Conseil national des musulmans du Canada. Alors, voyez-vous, c'est à ce genre d'organisation. Ça, c'est le premier organisme
pour lequel qui reçoit des subventions de la ville de Brampton pour nous attaquer, pour nous accuser d'être islamophobes, pour être devant nos tribunaux et évidemment faire invalider la loi 21. Le deuxième organisme, mes chers amis, ça s'appelle l'Association des libertés civiles du Canada. Et l'Association des libertés civiles du Canada, ils sont allés devant les tribunaux il y a quelques années. Le Parti libéral, à l'époque de M. Couillard, si vous vous souvenez, avait fait voter la loi 62 qui, sur la neutralité religieuse de l'État, qui disait qu'on devait recevoir et donner un service public à visage découvert, autrement dit, qui interdisait le niqab et la burqa. Alors, l'Association des libertés civiles canadiennes est allée devant un juge, le juge Marc-André Blanchard, hein, le même juge qui a invalidé la loi 21 partiellement l'an dernier, un juge qui est un ancien donateur du Parti libéral du Canada. Alors, je sais que vous êtes certainement surpris d'apprendre qu'il y a un juge qui invalide nos lois, qui est un ancien donateur du Parti libéral. Monsieur Hardy, vous êtes surpris de ça, j'imagine? Tout à fait surpris, voilà, c'est ce que je pensais. Monsieur Gauthier, vous êtes surpris de ça? Extrêmement, voilà, on est tous très surpris d'apprendre qu'un juge, n'est-ce pas, un multiculturaliste qui donnait de l'argent au Parti libéral, s'est retrouvé juge. Et là, donc, l'Association des libertés civiles a dit, on demande une injonction contre la loi 62 du Parti libéral. Et là, le juge Blanchard a dit que d'interdire de recevoir un service public à visage couvert avec un niqab, ça portait un préjudice intolérable pour les musulmans. Et il a donc suspendu la loi 62 de l'ancien gouvernement libéral. Et évidemment, l'an dernier, il a invalidé une partie de la loi 21 au nom de la Charte canadienne, en passant, qui nous a été imposée. Alors ça, c'est le deuxième groupe. Le deuxième groupe qui reçoit de l'argent de la ville de Brampton. Et le troisième groupe, ça s'appelle le World Sikh Organization. Le World Sikh Organization qui avait financé une cause devant les tribunaux parce qu'il y avait un élève sikh dans une commission scolaire de Montréal il y a environ une quinzaine d'années qui disait que qui réclamait le droit fondamental de porter un poignard, ce que les sikhs appellent un kirpan, à son école secondaire, n'est-ce pas? Et là, la Cour suprême, ça s'est rendu en Cour suprême et les juges fédéraux de la Cour suprême ont dit, bien, au nom du multiculturalisme, au nom de la Charte canadienne des droits et libertés, bien, cet élève a le droit de porter un kirpan à l'école. Et évidemment, depuis ce temps-là, vous avez le droit de porter un kirpan à l'école, au détriment, bien entendu, de la sécurité de nos enfants dans nos écoles. Et je voudrais juste signaler qu'il y a des cas documentés d'agression au kirpan au Canada. Alors ça, c'est le troisième groupe qui reçoit de l'argent de la ville de Brampton. Alors, je vous parle de Brampton, je vous parle de tout ça parce que, voyez-vous, mes chers amis, Brampton a donné l'exemple et au moment d'adopter cette mesure pour financer les opposants à la loi 21, mais la ville de Brampton a fait des audiences publiques. Alors, ils ont fait venir des experts, trois experts, trois militants du Conseil national des musulmans du Canada, hein, le groupe qui allait recevoir l'argent. Donc, ils étaient en plein conflit d'intérêts. Et là, ils ont dit, oui, vous voyez, il y a de l'islamophobie, il y a du racisme à Brampton parce qu'il y a la loi 21 au Québec. Et là, le maire Brown dit, ben voilà pourquoi on va donner 100 000 $ on sert les citoyens de Brampton, on combat le racisme, on combat l'islamophobie à Brampton. Et là, ben ça a donné une idée au maire de Toronto. Le maire de Toronto, John Tory, qui était pris dans un gros scandale. Le maire Tory, c'est son nom, ça ne s'invente pas, le maire Tory de Toronto. Donc, qui était maire de Toronto et qui était en même temps consultant pour la compagnie Rogers Communications. Et là, ça a sorti publiquement qu'il était consultant pour la ville, pour la compagnie, en même temps maire de la ville. Gros scandale à Toronto, il s'est fait varloper. Il ne savait plus quoi faire, il était pris dans un gros scandale. Et là, ben, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Alors là, ben, il a pris le téléphone, il a appelé son bon ami Patrick Brown, il a dit, Patrick, je suis pris dans un gros scandale, qu'est-ce que je fais? Mais Patrick a dit, ben, c'est très simple, t'attaques le Québec. Ah, excellente idée. Ah, Patrick Brown, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, nous, on va donner 100 000 $ aux trois groupes dont je vous ai parlé. On va financer les anti-loi 21 et on ne laissera pas les racistes du Québec l'emporter. C'est très important. Et lui, il ne s'est même pas donné la peine de convoquer des audiences publiques. Il a dit, c'est tellement évident que c'est raciste, c'est tellement évident que ça affecte négativement tout le Canada. C'est comme s'il disait, la terre est ronde, le soleil est au milieu du système solaire. C'est une évidence, une lapalissade. C'était comme dire, l'eau est mouillée, le feu brûle. Voilà, la loi 21, c'est raciste. Et nous, à Toronto, on donne 100 000 $ contre les racistes du Québec. Et là, voyez-vous, mes amis,
C'est pour ça que j'ai créé l'organisation Justice pour le Québec, parce qu'on a déposé un recours judiciaire contre la ville de Toronto, parce que ce financement-là, il est illégal en vertu de notre droit municipal. Notamment, une ville n'a pas le droit de dépenser en dehors du champ d'action municipal. Et nous, j'ai fondé un groupe qui s'appelle Justice pour le Québec, et on poursuit actuellement la ville de Toronto en Cour supérieure de l'Ontario. On ne se laissera pas faire, on ne laissera pas les ennemis du Québec nous marcher dessus. Voilà, exactement. Et là, mes amis, au départ, quand on a déposé notre poursuite, eh bien, là, on leur a dit l'argent n'avait pas été dépensé, l'argent n'avait pas encore été versé, ils avaient fait l'annonce. Et donc, les trois groupes dont je vous parle n'avaient pas reçu l'argent. Alors, ils ont dit, ben voilà, on va attendre le résultat du jugement. Mais là, M. Brown veut gagner son élection parce qu'évidemment, ça lui a donné une hausse de popularité. Et là, il s'est dit, voilà, moi, je veux verser l'argent avant l'élection qui a lieu en novembre prochain à Toronto. Là, il est de nouveau en avance dans les sondages. Et là, ils ont comme rétro-pédalé, ils ont dit, on va verser l'argent malgré on n'attendra pas le jugement, on va donner l'argent avant l'élection. Et là, on a dit, c'est pour ça que j'ai rencontré mon avocat à Toronto, s'ils font ça, on va présenter une injonction en urgence pour les empêcher de verser l'argent, parce qu'encore une fois, c'est inacceptable ce que font les villes ontariennes, ce que font les villes canadiennes anglaises. On peut être pour ou contre la loi 21, mais ce débat-là doit se faire entre nous. La loi 21, c'est dans nos champs de compétences, et il faut se battre avec les moyens qu'on a pour nos compétences. Nationale québécoise, c'est la seule minorité contre laquelle vous avez le droit de dire absolument n'importe quoi. Vous pouvez nous traiter de nazis, de gestapo, de fascistes, de racistes. Il n'y a absolument aucune limite sur tout le mal que vous pouvez dire de la minorité nationale québécoise. Alors moi, j'ai un message pour tous les Marlene Jennings du Canada, pour tous les Kelly McFarlane du Canada. Nous en avons assez. C'est nous qui représentons la diversité au Canada. C'est nous qui sommes victimes d'injustice. Nous sommes victimes de votre xénophobie. Nous sommes victimes de votre intolérance. Et à chaque fois que vous allez nous calomnier, chaque fois que vous allez nous traîner dans la boue, eh bien, nous serons dans la rue comme aujourd'hui. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous serons là pour défendre le Québec. Merci. 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 Bien sûr, toutes ces vidéos-là que je vous ai montrées, je vous ai juste mis des petits extraits. Vous allez voir les extraits dans les descriptions de l'émission de ce soir. Je vais aller vous les rajouter. Je te rends l'antenne. Merci Jean-Marc. Aperçu des interventions de Frédéric Bastien. On a appris son décès aujourd'hui, selon quelques sources que j'ai eues, sources extrêmement fiables. Donc, je le rappelle qu'on a appris le décès de Frédéric Bastien. Martin qui nous dit qu'il est sur le cul solide, une expression typiquement québécoise, mais qui vaut mille mots. Et Mme Gosselin qui remercie Jean-Marc pour tous ses extraits. Jean-Marc le dit, on va mettre les extraits là, sur le site de Radio Infocité. Donnez-nous juste un petit peu de temps, Jean-Marc, pour qu'il puisse produire tout ce matériel. Mais, pardon. Je pense que la meilleure façon de rendre hommage à Frédéric, c'est de faire aller ses vidéos, ses arguments. Et je pense que il travaillait tellement fort, ce gars-là, pour la cause de l'indépendance du Québec, qu'il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Frédéric Bastien était un bourreau de travail. Et c'est une nouvelle qui va affecter le mouvement souverainiste énormément. Donc, on va revenir demain soir sur cette terrible nouvelle. Et je pense que je peux justement dire que tout Radio Infocité, toute l'équipe, tous les auditeurs, puis je pense, quand je regarde tout de suite
Édith Gautier qui dit qu'elle est carrément en deuil. Eh bien, je pense qu'Édith Gautier, je laisse votre commentaire parce que même moi, hein, je suis exactement dans la même position qu'Édith, que les mots me manquent. On apprend, parce que je vous le dis, je l'ai dit au début de l'émission, cet après-midi, souvent je prépare des petits, j'essaie de me penser à des trucs pour l'émission du soir, et j'avais en tête le texte de Frédéric de samedi dernier. Le texte que je répète le titre, « Le Canada pratique l'éradication culturelle Paul-Québec », texte signé de Frédéric Bastien, samedi dernier. Et j'avais d'autres nouvelles à parler ce soir, mais je pense que on laisse passer tout ce qui vient par la suite, parce que vous avez entendu Frédéric dans un discours qu'il a fait au Parti québécois, là, je voyais le logo, donc c'est probablement Martin qui a fourni la vidéo à Jean-Marc, j'imagine. Mais j'ai entendu sensiblement le même discours de Frédéric à Saint-Denis-sur-Richelieu. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas peur des mots. Martin qui nous dit « François, je me sens dans le même état que quand j'ai appris le décès de Gilles Réon. » Et Frédéric Bastien était, c'était pour le Parti québécois de Pointe-aux-Trembles, ce que vous avez entendu tantôt. Mais je pense qu'on va essayer de regrouper toutes ces vidéos pour, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les discours, les interventions de Frédéric Bastien étaient remplies d'argumentaires. C'est de l'argumentaire à l'état pur, à l'état brut. Et parfois même, c'était au-delà de l'état brut, c'était fouillé, c'était vraiment... il nous livrait ça là, comme ça là, au niveau du maire de Toronto, le maire Tory, etc. Mais tout ça était un peu dans le même esprit que les livres sur la bataille de Londres. Et je pense que le mouvement souverainiste a toujours su se relever, il faut le dire. Martin Lamontagne nous parlait tantôt de Gilles Réon. Quand Gilles Réon était... est décédé, Frédéric Bastien commençait sa carrière. Et on a vu les René Lévesque passer, on a vu les Jacques Parizeau, on a vu les grands militants, les Bourgault, les Réaume. Et le mouvement souverainiste a toujours su se relever. On sait, on parle de Bernard Landry aussi, on sait que le mouvement souverainiste depuis 20 ans, et je cite Bernard Landry au mot, le mouvement souverainiste vit des moments gris, quelques nuages gris qui passent au-dessus de nous. Mais à un moment donné, le soleil va rejaillir. Et on a vu un rayon de soleil qui est arrivé, c'est Frédéric Bastien. Eh bien, il va y avoir d'autres Frédéric Bastien, il ne faut pas se décourager. Et je pense que moi, en tout cas, toute l'équipe de Radio Infocité, tous ceux qui sont sur le clavardage, tous ceux qui sont à l'écoute, ben, on va avoir une pensée pour Frédéric et je pense qu'il le mérite bien. Et on va et son travail, vient de commencer. Il y a Patrick Aubry qui dit « Je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore une confirmation officielle ». Moi, j'ai eu assez de téléphones, mais je peux vous dire une chose, monsieur Aubry, que c'est des téléphones complètement disparates, des gens qui ne se connaissent pas.
J'ai reçu un téléphone du coin de Sorel, un autre de Montréal-Nord, un autre de la Rive-Sud aussi. Donc, ça fait 3-4 téléphones. Les gens ne se connaissent pas. Il faut, à un moment donné, 2 plus 2 font 4. Donc, écoutez, on va se reparler demain soir. Et je pense qu'on va reparler de Frédéric. Et puis, donnons-nous rendez-vous demain soir, 21h, pour notre édition du Journal du soir. Et ceux qui veulent voir les vidéos de Frédéric Bastien. Bon, Martin nous dit « Montréal-Nord, c'est moi, ça. » Bon, Martin m'a téléphoné, mais je pense que normalement, Martin est une assez bonne source. Mais Martin, il a reçu le téléphone d'une autre personne qui ne vient pas nécessairement de Montréal-Nord. Donc, ça fait plusieurs personnes qui se parlent. Bon, donc, on va mettre les vidéos en ligne et on va en remettre d'autres demain soir. Là, puis, je vais m'assurer que ce que Frédéric a produit comme discours ben, puisse servir. Et je pense que ça va de soi. Merci d'avoir été là. Et puis, on se donne rendez-vous demain soir pour une autre édition du Journal du soir. Et juste là, ben, jusqu'à là, ben, on peut se dire que la vie ne tient qu'à par un fil. Donc, gardez le cap, gardez la santé. Et puis, on se reparle demain soir, 21h, pour une autre édition du Journal du soir. Merci encore une fois. Et salutations à notre ami Frédéric Bastien. Merci. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.